Bonjour à tous, aujourd'hui un autre indispensable de ma bibliothèque qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Alors Houdoul. ce livre a été un des premiers livres dans ma bibliothèque qui parlait de la relation entre le corps et l'esprit. Je l'ai trouvé incroyable. Il a été écrit par Michel Houdoul qui est un Français qui a créé l'Institut français du Shiatsu puisqu'il était praticien Shiatsu. Et puis du coup, il est aussi entrepreneur et puis il a créé sa propre école de shiatsu. Et en fait, c'était vraiment un des premiers livres, en tout cas que j'ai découvert, mais je pense aussi en France sur le sujet, qui parlait de cette relation entre la maladie et le corps, le mal-a-dit et le corps. Et en fait, il expliquait vraiment que le corps nous parle quand on n'est pas capable d'entendre autrement ce qu'il a à nous dire et que chaque mot du corps est en relation avec une pensée ou quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que vous trouverez dans La réalité spirituelle en français, le film que j'ai traduit pour vous sur ce site, eh bien, des informations et la vision énergétique de quelle pensée. Comment les pensées influent sur notre corps énergétique, et c'est vraiment ce qui est expliqué dans ce livre. Pour moi, ce livre, c'était une façon d'expliquer à mes premiers clients que bah, peut-être ils avaient une responsabilité dans leur mal-a-dit et que s'ils arrivaient à l'écouter, ils pourraient aller beaucoup mieux. Et je me suis très souvent servi de ce livre comme référence, c'est-à-dire que tout simplement, quand quelqu'un venait me voir avec une problématique physique, eh bien, je leur faisais lire la page qui correspondait à ce qu'ils avaient. Et très souvent, eh bien, ils étaient un petit peu obligés d'avouer que oui, c'était exactement ça. Donc, j'ai trouvé que ce livre était vraiment magique et c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à ma page et de visiter mon site www.marielaure-tessette.com.